Coach JD on this motherfucker. Y'all know how this shit go. Niggas be false claiming. Niggas be false claiming. Peter Pan, you don't understand how to take a chance. They know who I am. Scrap got the pass, scrap got the bands. We can shoot it out, plus I got hands. Let me do my dance. On se trouve pour un tout nouveau tuto sur la Mixbike, donc pour le TTR et le CRF 110, donc by OTTM. Donc j'ai recréé un lien pour mettre les deux modèles en question dans un pack, mais ça a bien été créé par OTTM, donc je mettrai pas le lien officiel, je recréerai mon propre lien, mais j'ai bien précisé by OTTM pour bien montrer que c'est lui. Donc grosse dédicace à toi frérot pour ce mode. Donc il me semble qu'il est anglais, je suis pas sûr de ça, mais il me semble qu'il est anglais, donc il comprendra sans doute pas, mais je lui mettrai une petite dédicace dans la description. C'est important de remercier les créateurs. Ce qui est un peu dommage malheureusement avec ce créateur, c'est qu'il a créé des modèles payants. Donc après voilà, c'est à son choix, mais il a créé des modèles payants. Mais en tout cas, ces modèles-là sont disponibles gratuitement et sont plutôt intéressants. Donc vous aurez vu de toute façon dans la présentation de cette vidéo à quoi ressemble la TTR 110, enfin à quoi ressemblent les modèles, comment ils fonctionnent. Donc la TTR, elle est un peu plus compliquée à lever. Par contre, la CRF est plutôt pas mal. Je vous ferai un autre tuto aussi pour le KLX 230R, qui est vraiment vraiment pas mal celui-ci pour le coup pour lever. Je vous en ferai un tuto très bientôt dans les prochaines vidéos. Puis voilà, c'est à peu près tout, on va pas trop s'éterniser sur ça. En tout cas, dans la description vous aurez le lien en fait tout simplement pour installer le genre de pack, hein. En gros c'est la TTR et le CRF 110 dans la description. Du coup, une fois téléchargé, vous aurez ce dossier là il s'appelle TTR CRF 110 by OTTM. Vous avez tout simplement à l'ouvrir en fait, rien de plus compliqué, enfin rien de plus simple pardon. Donc vous allez dans mode, hein, du coup. Donc on va essayer de suivre le principe
toujours le même chemin en fait. On va aller dans les documents de son PC, donc juste à côté, hein, vous aurez une page, vous allez dans les documents de votre PC, Piboso, MXBike, et ensuite vous avez le dossier mode. Donc mode, mode, et dans ce dossier-là, en fait, dans le dossier mode de ton WinRAR, tu auras bike et Tyrus, et dans le dossier mode, en fait, tu auras tout simplement Tyrus et bike. Donc ce qui est dans bike, on va tout simplement le mettre dans bike, donc on va ouvrir le dossier bike et on va sélectionner les deux modèles en question qu'on va glisser dans le dossier bike, tout simplement. Une fois ça fait, vous retournez en arrière, vous allez retourner en arrière aussi du document Piboso, tout ça, et ensuite vous allez aller dans Tyrus, juste au-dessus. Après, des fois c'est placé différemment, mais bon, chez moi le Tyrus il est en haut, chez vous il sera peut-être en bas, mais voilà, c'est peu importe. De toute façon, le dossier s'appelle Tyrus, les deux. Et vous allez ouvrir le Tyrus aussi, donc du WinRAR, et vous aurez un dossier qui s'appelle Pitbike-Tyrus, et en gros, ou Tyr, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros, vous allez sélectionner ce dossier-là et vous allez glisser directement dans le dossier Tyrus, tout simplement. Une fois ça fait, ben, vous avez tout simplement installé les modes en question. Donc, je vais aller lancer le jeu et vous montrer laquelle catégorie à prendre pour sélectionner ces modèles. Donc voilà, c'est deux modèles assez intéressants pour le coup. Je sais que la TTR, c'est un modèle très demandé par la communauté. Les CRF, hein, vous connaissez tous. Les 110, ben, ils sont plutôt bien en vrai. Hein. À part le TTR est un peu galère à lever, je trouve qu'il est vachement puissant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quelques kits déco avec, donc ça c'est plutôt intéressant. Hein. Sur la CRF surtout, on a des kits déco vraiment intéressants. Sur la TTR, on a, je crois, pas vraiment de kits déco, donc voilà, après c'est des petits détails. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des kits déco directement intégrés dans les modèles. Donc voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, vous verrez, hein, la catégorie elle est pas très compliquée, enfin il y a vraiment pas grand chose de compliqué. Une fois installé, ben ça fonctionne très normalement, quoi. Donc je peux peut-être faire une petite coupure le temps que le jeu se lance, la famille, je reviens de suite. En fait, tout simplement, vous allez aller dans moto, hein, comme d'habitude. Chez vous, si le jeu n'est pas traduit en français, ce sera dans bike. Donc on va aller dans moto et on va aller dans les catégories de moto, et en fait on aura tout simplement une catégorie qui s'appelle OTTM 110, et dans cette catégorie là, bah, on aura du coup les deux modèles, donc le CRF 110 avec plusieurs kits déco, avec deux trois kits déco pardon, et la TTR avec aussi deux kits déco, je crois, non, un seul kit déco. Il est pas ouf, hein, je vais vous montrer quand même vite fait, mais voilà, il y a genre des détails roses en fait sur le modèle. Bon, voilà, c'est des petits détails. Bon, je sais pas si c'est bugué, ça m'a l'air bugué, mais voilà, en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir un petit des petits surtout pour le CRF, de deux petits kits déco, enfin trois petits kits déco avec. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce tuto vous aura plu, la famille. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez d'autres idées de tuto éventuellement, je pourrais essayer d'en faire dans les temps qui suivent, dans les prochains temps. Juste voilà, j'essaie de me mettre à jour par rapport aux nouveautés, par rapport à ce qui sort, parce qu'en fait je dois gérer Trackday et MXBike, les deux jeux en même temps, donc forcément il faut que je sois à l'affût sur les deux. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, la famille, prenez soin de vous, ciao les gars.